Bienvenue à tous dans Zona Langue Créole, dans l'actualité azodi. Souren Dayal in PAD Sokes devant Privy Council contre Pravin Kumar Jagnat et que ce décolistier, un zisement qui réside unanimement, tout ben point d'appel Souren Dayal et qui vient confirme validité élection sa 3 élus là dans numéro 8. L'opposition ban mauvais perdant et The 10 zit la bouche ou l'oban institution. Réaction Pravin Kumar Jagnat suite à décision Privy Council azodi. L'idée qui zame sous l'alliance finan freigne quitte la loi Don Maurice. Et puis émotion faux dans l'aéroport azodi. Deuxième groupe pèlerin qui t'y bloqué dans Bethléem, dans Israël, in rente Maurice. Et puis Deo azodi, 10e zoo, conflit entre Hamas et Israël, puisqu'il y a 2700 Palestiniens morts et 9700 blessés. La guerre peut continuer. Hamas il prend 100 otages dans Gaza. Madame Issier, bonsoir. Nous démarrons avec sa gros nouvelle. Privy Council in résite unanimement tout ban point d'appel Souren Dayal qui tipe contesté élection Pravin Kumar Jagnat et que ce décolistier dans circonscription numéro 8 dans élection 2019. Zisement Judicial Committee Privy Council in tiré vers 4 heures tantôt azodi à côté li résite ban allégation corruption et cheating. C'est un zisement qui vient confirme validité élection sa 3 élus là dans numéro 8. Et puis Premier ministre Pravin Kumar Jagnat in réagir après sa décision Privy Council là, li qualifier l'opposition comme ban mauvais perdant. Pravin Kumar Jagnat dit que Souren Dayal n'a pas fin capable prouve ban allégation qu'il fin fait devant Privy Council et que l'opposition in zis zet la bouche l'urban institution dans pays. Pravin Kumar Jagnat dit qu'il est convaincu que l'alliance qu'il peut diriger n'a pas fin enfreint aucun la loi et qu'avec Privy Council qui ne donne raison à la Cour suprême Maurice dans ce gisement, c'est un claque magistral à l'opposition, selon lui. À nous écoute Premier ministre. Toujours très serein et moi convaincu de résultats aujourd'hui parce qu'il surtout nous connaît qui manière nous faire campagne et nous connaît faire la différence entre sa bonne allégation que tu peux faire là et qui nous capable faire, qui nous en droit faire. Et tout le temps moi convaincu qui nous campagne in faire d'après la loi et nous prenons là en compte d'aucune la loi. Et donc, vous pensez, je vous dis, vous devez dire félicitations, merci à mon avocat qui a bien sûr apparaît tout au long de sa case là. Et là, il donne la Cour suprême raison dans ce jugement et le Privy Council, je crois, il donne une claque magistrale à l'opposition, une l'opposition qui m'a besoin de dire ben mauvais perdant, qui pas accepté la démocratie quand le peuple in causé, quand le peuple in voté, je suis besoin en toute humilité. Et si je suis ben vrai démocrate, accepter ça au lieu de faire tout qualité ben allégation et être la boue dans ben institution qui est indépendant et faire du monde croire dans une bande démagogie. Alors, je vous dis, ce jugement-là vient mettre une fin à tout ce bande palabre et tout ce bande fausseté et tout ce bande mensonge qu'ils ont pu causer depuis maintenant 4 ans. Et nous tenons l'ambiance des hauts bandes partisans qui ont réuni en grand nombre pour féliciter tout. Bandes partisans ont réuni en grand nombre. Premièrement, bandes partisans ont réuni en grand nombre pour venir écouter le jugement ici à Saint-Trust. Je ne trouve pas qu'il y a quelque chose de mal qui ban partisans, qui bien sûr sont préoccupés et sont intéressés par le sort de nos pays et le sort bien sûr de moi-même comme leader avec mon décolistier. Mais tout ça tout à fait normal qu'ils viennent là pour venir écouter ce jugement-là. Et bien sûr, ils sont contents. Et ça empêche aussi que la partie adverse, lui aussi, il est capable. Moi, j'espérais si c'était un encore partisan pour venir soutenir les autres. M. Dayal, c'est capable aussi de rassembler ce bon partisan pour qu'il y ait, c'est pas les autres bien écoutent ce jugement-là. Pravin Kumar Jagnat, il aussi cause avec ce bon partisan dans le bâtiment Saint-Trust aujourd'hui après-midi. On écoute-le. Avant même qu'ils aient connu ce
arrondissement, je dis comment c'est la boule au Privy Council. Nous disons tout le temps serein. Et nous disons tout le temps confiant dans le résultat qui finit là aujourd'hui. Privy Council fin saut visible l'alliance. Et là, Perrozot, pas pétrouzé, on a dans le cachet de fini. En tout cas, on dire dans la gazette qu'ils ont une parée pour Parlement. Nous ne parée pour Parlement. Magistral et les sonore parce qu'il est retenti pas seulement dans nos républiques mais il est descendu au niveau international. En tout cas, c'est une grande victoire pour la démocratie, une victoire de la vérité et le mensonge, la preuve que le système organise l'élection crédible et l'intègre. Mais, laisse-moi dire, ce qui m'ont toujours constaté, que nous, population, dans sa grande majorité, à aucun moment, ni pas fini, n'a aucun doute de la victoire de l'Alliance mauricienne dans la dernière élection. À saluer ma institution qui fonctionnait comme un bizarre. Pour tenir à saluer des milliers et des milliers de fonctionnaires qui viennent travailler pour sa élection-là. L'opposition vient très haute de tous les noms. L'opposition vient être la boue, l'aux autres. Mais aujourd'hui, sensiblement, Privy Council-là, lui aussi pour sa bonne institution là et pour sa bonne tribune là. Mais c'est aussi une victoire dans la bassesse. Après Med Point, c'est la deuxième grande victoire qu'ils vont gagner. Quand nous finissons écoute ça, ce là, les villes confirmées, net et clair, avec qui a été l'opposition nous pécaille les affaires. Conseil privé vient confirmer qui c'est une l'opposition qui noyait dans démagogie. C'est une l'opposition qui respire mensonges et mauvaise foi. Zone assoiffée pour pouvoir. Et ils ont montré qu'ils n'ont pas pour réquil devant Nanier, vous êtes l'intérêt personnel. Et l'opposition qui ne peut pas se l'étendre, n'est que manigancée, complotée, mettre bâton dans la roue. Parce que pour eux, ce n'est pas pays qui est important. C'est l'intérêt personnel et ils ont coffre. Qui vont faire appel à si à tout nous bonnes grandes monde, mais aussi bonnes enfants de bonnes grandes monde et la population qui ont vient dire qui quand nous propose pour donner augmentation dans pension, je t'appelle ça bribe électorale. Je peux dire qu'il est illégal. Tu peux dire qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, nous connaissons en 2014 qui manière Ramgoulam est péranzé.
Ensemble, je suis venu dire, pas pour donner augmentation, pension nous allons grandir. Je dis, Privy Council, il dit, qui ça, c'est politique de ça, gouvernement-là. Et puis avec sa gisement là, MBC, tu proposes une émission en direct à Zodi après-midi. Dans sa émission là, Maître Raouf Goulboul fin d'une bonne précision l'accusation souraine d'Ayal contre MBC. Raouf Goulboul fin souligne une bonne contradiction et les déplore qui tout bonne accusation qui sans fondement et qui pas fin capable prouver qui MBC tienne machine propagande. Et puis Lydia qui souraine d'Ayal fin bien retire sous bonne allégation avant même présentation devant Privy Council. On écoute Maître Raouf Goulboul. Durant le procès, moi en tant qu'avocat, je fais jouer un clip pour montrer que M. Patrick Assia Baden, l'eau en plateforme publique, entouré à ce bon supporters, définit un MBC, ce staff, ce photographe, ce reporter, lève pas qu'il y allait. Comment on peut dire, l'une poussotte. Pousse sa bande journaliste de l'MBC. Qui est très très grave. Bien grave. Dans un pays qui a la liberté de l'expression, que ban auditeur ou ban n'importe quel téléspectateur en droit connaît qui peut arriver dans un meeting, des poussotte, il n'y a pas le broadcast. Ça. Et là, sur un derrière, il y a une complainte, il y a un MBC papé passé. Vous trouvez la contradiction qui est là? Il dit que, puisque c'est le premier ministre, d'après l'MBC, qui a ce mot à dire qu'on nomme le directeur général, il dit que le directeur général devient comme un petit toutou du premier ministre. C'est que le premier ministre, il y a fait ça même il peut faire. Donc, en sorte que le MBC devient un paillasson du gouvernement. C'est soit allégation. En Cour suprême, le compte interrogatoire, il démolit à lui. Souren Dayal, pas capable à aucun moment montrer qu'il a MBC, tienne machine de propagande. Il n'est pas si capable, il n'est pas fin capable d'amener un électeur, un seul électeur, pour venir dire que la MBC, la façon qu'il fait un rapport de la campagne électorale, fait une influence dans l'électeur. Il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de montrer que voilà, la MBC pendonne ce parti. Dirigé par le leader de l'Alliance, le docteur Navin Ramgoulam, Pandoni Coverage. Parce qu'il est en cours, il fait prouver que c'est lui-même qui fait, autres même qui fait pousser la MBC. Il n'est pas capable de prouver qu'il, comment dire, tu peux faire, que tu appelles M. Daltaman, tu peux faire une approche communale pour sa élection. Parce que ce témoin qui est amené, qui appelle M. Ramdian, pas fin capable comme de proof. Il n'est pas un témoin crédible, il n'est pas un témoin qui est capable de la croire. Le tout front, toutes les allégations qui seraient d'ailleurs qui fait le MBC, il est perdu. Vous voyez qu'on a le Privy Council, ou bizarre faire, ou raison d'appel, ou statement of case, comment nous dire? La partie adverse, il donne son reply, il donne son bon argument en écrit, il met tout ce point de droit qu'il est pour plaider devant le Privy Council. Avant le jour du procès, le 10 juillet devant le Privy Council, Souren Dayal, à travers son avocat, il retire toute raison d'appel qu'il s'y mettait contre la MBC. C'était une fuite en avant. Il n'a pas même osé à le plaider ça devant les Privy Council. Avec accusation grave,
sans fondement, gratuite, qu'on est perdu dans la Cour suprême et qu'on est sauvé devant le premier garantie. C'est l'attitude de M. Dayal. Pendant le procès en Cour suprême, sur M. Dayal, tu as mené une interview qui a été donnée à un de vos confrères de la presse. Mais cette interview-là, je te fais à Zueli dans son intégralité. Sur M. Dayal, tu peux retirer un morceau de cette interview-là pour venir dire que voilà, le directeur général de Benjamin Fair de Bayas. Je tiens à insister pour dire que nous écoutons dans son intégralité. Quand nous écoutons dans son intégralité, M. Ramsaran, tu mets l'emphase, l'eau, elle nous a fait important. Lidiao, si un membre du gouvernement fait une petite chose qui n'est pas bizarre, il pour rapporter, il pour broadcast. Et si un membre de l'opposition il fait une analyse constructive, il fait une petite chose qui mérite d'être broadcast, il pour broadcast. Il donne la parole à tous les acteurs de la scène politique. On te fait jouer ça. C'est la voix de tout le monde qui écoute. Et ça tient un coup terrible pour Souren Dayal. Quand on te joue sa interview-là de sur l'intégralité. La suite, Sazouna là, après sa page pub là. Aujourd'hui, dernier jour pour faire Return Income Tax. Sur Pantofiali, à le site web MRE, www.mre.mu. Pas tarder, après minuit, pour une pénalité et compter. Deuxième groupe pèlerin qui est bloqué dans Bethléem, dans Israël. Il arrive Maurice Azoudi après-midi, l'Envol Turkish Airlines. Et puis un autre groupe pèlerin qui est allé dans Arabie Saoudite pour accomplir Umrah. Zoutoussi Zoutin rentre Maurice Azoudi après-midi. C'est ban retrouvaille que m'aurait trouvé à l'écran qui ne manquait pas ban émotion faux dans l'aéroport Azoudi. Ban la prière Navratri peut continuer pendant Nevzou, ban hindou prier ban différents formes déesse Durga. Azodi, deuxième zou la prière, li dédié à ma Brahmacharini qui représente pénitence, austérité et clameau. Existément, finina à plaisir la prière dans ban temple hindou Azodi après-midi. Déo Azodi, c'est 10e jour conflit Hamas-Israël. Au moins 2750 Palestiniens une mort et 9700 une blessée avec une frappe aérienne israélienne au Gaza depuis le 7 octobre. L'homme israélien de ce côté dit que Hamas il prend 200 otages dans Gaza. Israël inactive un plan pour évacuer un habitant dans un rayon de 10 km autour du Liban. Et puis, l'Égypte dit que le gouvernement israélien n'a pas encore pris sa position pour autoriser ou ouvrir un couloir humanitaire. Nougat météo à Stella, situation générale et un courant des lésés qui paie siakil l'ONU région. Prévision pour prochaine 24 heures pour faire beau temps pendant la nuit. Et puis demain, les temps pour ensoleiller. Toutefois, dans l'après-midi, pour un peu développement niazé temporaire dans sud-ouest et gloin partie plateau central. Divan pour souffler depuis nord-est environ 15 km par heure, il est pourvoyable pendant la nuit. La mer pour hésiter en déo. Brisant avec une vague 1,50 m. Et puis soleil pour lever demain 5h37 et coucher de soleil 18h12. Zounal termine ici. Merci pour l'attention, madame Issier. Bonne soirée.